Comme vous le voyez, les présentoirs sont bien pleins. Monsieur Bernaos, ça me fait plaisir de vous voir. Ça faisait tellement longtemps. C'est ma femme qui m'a demandé de venir. Elle n'ose pas vous dire ce qui doit pourtant être dit. Je ne vous suis pas. Nous avons décidé de ne plus travailler avec votre maison. C'est fini. Mais enfin, pour quelle raison? Ma femme veut des nouveautés. Dans le monde, tout change, tout bouge constamment. Vos cartes postales, non. Mmh. Au revoir. Comment se fait-il que tu rentres aussitôt? Il n'est jamais trop tôt. Arrête, arrête. Tu entends, je n'en ai pas envie. Moi si. S'il te plaît, je t'ai demandé d'arrêter, alors arrête! Ta boîte a téléphoné. Ils veulent savoir si tu as pris des commandes. Elles seront bientôt prêtes. Vous voulez les voir, afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Je les ai. Très bien. Dans une heure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me parles plus? Je n'ai pas grand-chose à dire. Sauf que je vais ressortir. On devrait peut-être arrêter. Oui, peut-être qu'il vaudrait mieux se séparer. Tu réalises qu'on vit sur mon héritage depuis pas mal de temps? Puisqu'on ne s'entend plus, on devrait envisager de divorcer. Pourquoi ça ne marche plus entre nous? Je t'ai donné mon amour. Seulement, ça ne t'a pas suffi. Vous désirez?
taisez et vous avancez. Qui c'était? Sur le côté, tournez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un peut décrocher? Reidman à l'appareil. Ah bon? Où ça? Non, on vient tout de suite. Merci. Oh, chaque fois qu'on te laisse tout seul, il se passe quelque chose. Il n'est pas la peine de vous asseoir. Un homme a été tué par trois personnes masquées au numéro 13 de Preussweg. Vous pouvez appuyer? Et voilà. C'est fini. Il vaudrait mieux que vous restiez tranquillement ici. Votre sœur ne va pas tarder. Je reviendrai vous voir avant de partir. Trois balles provenant toutes de la même direction. Il n'y en a que deux qui sont ressorties. On a fait le nécessaire pour essayer de retrouver la voiture noire dont nous avons le numéro d'immatriculation qui nous a été donné par le voisin. Il est mort sur le coup. Comment va sa femme? Pas bien. La pauvre a été témoin du meurtre de son mari. Le voisin nous a dit qu'ils étaient trois et qu'ils étaient masqués. Madame Brandes m'a dit que c'était des femmes. Trois femmes. Quoi? Redis-moi ça. Oui, il s'agirait de trois femmes. Vous pouvez vous occuper du témoin d'à côté? Et tu crois que je peux lui parler? Je crois, je viens de lui faire une piqûre pour la calmer, mais tu peux toujours essayer. Merci. J'ai déjà retrouvé deux douilles, l'une de calibre 7,65, l'autre 9 mm para. C'est une exécution. Oui. Bonsoir, madame. Je m'appelle Léo Kress. Je suis le chef de la brigade criminelle. Vous vous permettez? Bien sûr. Comment savez-vous que ce sont des femmes qui ont fait ça? Elles m'ont parlé. Du moins deux d'entre elles. Sur le côté, m'a dit l'une. Tournez-vous. Et la troisième? J'ai aperçu le visage de l'une d'elles. Seulement quelques secondes. Quand j'ai regardé par le Judas. Je n'aurais pas laissé entrer chez moi des gens masqués. Oh non, j'en suis convaincu. Lilo. Oh, c'est monstrueux, Lilo. Je suis désolée. Je m'appelle Chetty. Je suis sa sœur. Léo Kress de la brigade criminelle. Je vais vous laisser toutes les deux. Merci. Oh, ma chérie, c'est affreux. Pourquoi? Une des balles n'est pas ressortie. Mais demain, tu en sauras plus. D'accord? Oui. Apparemment, les trois ont tiré. Je n'ai récupéré que deux douilles. L'une d'elles avait sûrement un revolver. Vous avez vu la voiture quelques secondes et vous avez réussi à retenir le numéro? J'ai une excellente mémoire. Je n'ai vraiment pas de mérite. Quel genre de rapport avez-vous avec les Brandes? Je n'en ai aucun. Lui, il n'était pas sociable. Il évitait tout le monde. Mais elle, toujours gentille et courtoise. Ils ont eu une fille qui est morte sur le chemin de l'école, un accident. D'accord. Est-ce que vous auriez remarqué autre chose? Quand je suis arrivé, c'était fini. Les trois types étaient déjà dans la voiture. C'était trois femmes. Ça m'étonnerait. Oui, j'écoute.
Vous avez fait vite? Non, non, ça va nous aider. Merci, c'est super. Salut. Le numéro qu'a donné le voisin est bon, c'est une voiture volée, il y a eu un dépôt de plainte. Eh bien, c'est déjà ça. Non, attendez, ça pourrait vous traumatiser de voir ça. Oh, je suis médecin. Je crois que j'ai dû voir plus de cadavres que vous. Ma sœur ne veut pas rester dans cette maison. Ça, je comprends très bien. Je vais l'emmener chez moi, en attendant. Friedman. Bon, entendu. Mais avant, j'aurais besoin de lui parler. Oui, c'est mieux que rien. Ah oui, j'arrive. Ça y est, ils viennent de retrouver la voiture. Bon, attends, moi, je reviens tout de suite. Si ça ne vous ennuie pas, je préférerais être seul avec elle. Dans quelques instants, vous pourrez partir avec votre sœur. Vous m'avez dit que vous n'avez pas vraiment vu quand votre mari a été tué. L'une d'elles m'a demandé de me tourner. Et après, elles ont tiré. Vous m'avez dit qu'avant d'ouvrir, vous avez aperçu une femme par le judas. Est-ce que vous pourriez la décrire? Elle m'a paru grande et... elle avait des cheveux blonds et longs. Bien, merci. Vous viendrez demain au commissariat pour la déposition. Parfait. Ah, encore une question. Savez-vous pour quelle raison votre mari a été abattu? Je n'en ai pas la moindre idée. Que faisait-il comme profession? Il était représentant en carte postale. Merci. Témoin qui aurait vu quelqu'un descendre de la voiture? Non, aucun témoin. Madame Brandes m'a dit qu'il ne se rappelait pas avoir vu des femmes porter des gants. Alors on devrait avoir plein d'empreintes. Eh oui. Espérons que ça pourra nous aider. Vas-y, dis quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ce que Léo va te demander dès qu'il arrivera. Alors? Dites quelque chose, tu vois. Si tu racontes à quelqu'un ce qui s'est passé, sa première réaction sera de dire que ça ressemble à une histoire de zombies. Oui, mais les zombies étaient des femmes. Il faudrait en savoir davantage sur la victime, Arnold Brandes. J'ai fait une recherche informatique et il n'est pas connu des services de police. C'est un citoyen lambda. Il est né le 4 juin 1951 à Detmold. Comment un homme peut-il pousser trois femmes à l'assassiner? Une histoire de vengeance, il leur a fait perdre leur fortune. Les types de la scientifique relèveront demain les empreintes de la voiture. Dis-moi que tu sais pourquoi Arnaud Brandes a été assassiné. Tu te fous de moi ou quoi? Léo nous a posé la même question. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont lancé une piste. Il faut bien commencer quelque part. Ne dis pas que c'était un contrat, s'il te plaît. Et pourquoi pas? Parce que ce serait trop simple. Bon, on arrête pour aujourd'hui. Sens. La mort de notre fille lui aura au moins épargné ça. Lilo, s'il te plaît, arrête. Ne dis pas des choses pareilles. Tiens. Si Viola était en vie, on aurait affronté cette épreuve ensemble. Hmm? Thank you.
Aide-moi à comprendre. Trois femmes viennent à la maison et tirent toutes les trois sur Arnaud. Pourquoi? Parce que... Dis-moi tout ce que tu sais. Il y a 5 ans, ton mari m'a violée. Arrête, il n'a pas fait ça. Oh, si, malheureusement. Mais pourquoi est-ce que tu ne me le dis que maintenant? Parce que... À l'époque, ta fille n'était pas encore partie et j'avais trop peur que ça te rende malheureuse. Tu ne savais donc pas quel genre d'homme c'était. Je ne voulais pas l'admettre. Est-ce que ça t'éclaire un peu sur ce qui s'est passé? Oui. Et je vais devoir identifier 3 femmes qui feront de la prison pendant de longues années. Et tu trouves ça injuste? Bonjour. 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 Il traite ça comme une histoire de zombie aussi. On est allé chercher Madame Brandes chez sa sœur. Comment va-t-elle? Elle ne va pas bien du tout. Elle aide le portraitiste à faire le portrait robot de la jeune femme sans masque. Elle nous rejoindra. Et où est passé Werner Riedman? Il est chez les Brandes. Il passe la maison au peigne fin. Oui, Hyman? Oui, d'accord, je vais le lui dire. C'était le labo. L'Institut médico-légal leur a envoyé la 3e balle. C'est une 5 mm 56. Ce qui veut dire qu'elles ont tiré toutes les trois. Oui, cette affaire est un véritable cauchemar. Oui, Léo Kress? Ah, ça a été rapide, dites donc. Oui, c'est gentil. Madame Brandes a déjà fini. Comment peut-on se souvenir très précisément d'un visage qu'on n'a vu que 2 secondes? Oui. Ah oui, merci. Bonjour, messieurs. Madame Brandes, bonjour. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Tiens, pour l'avis de recherche et pour les journaux. Très bien. Si vous repensez à ce qui est arrivé, et en prenant un peu de recul, est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir? Je n'ai pas été clair? Si. Non, je ne vois rien. Je vais le formuler d'une autre façon. Comment était votre mari? Je me le demande. Je ne sais plus trop depuis qu'il est mort. Hyman? Avait-il des amis et comment était-il? Des amis? Aucun.
Des dettes? Non, ça m'étonnerait. En fait, j'ai fait un héritage conséquent et on vivait dessus pratiquement depuis 2 ans au moins. Madame Brandes, dans le sous-sol de votre maison, il y a une pièce fermée à clé. Télé, magnétoscope, magazines et cassettes pornographiques. Votre mari était-il très porté sur le sexe? Je regrette, mais vous allez devoir répondre à cette question, même si ça vous gêne. Madame Brandes. D'accord, et si je vous réponds oui? Qu'allez-vous en conclure? Donc, c'est oui. Il faut bien élucider le meurtre de votre mari, non? Je sais, c'est votre travail. Madame Brandes, je vais devoir prendre votre déposition. Je vais l'enregistrer, c'est plus simple. Tu as encore besoin de moi? Non, pas pour l'instant, merci. Si vous voulez, vous pouvez retourner chez vous. Où sont les autres? À côté. Alors, votre nom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance. Ensuite, votre adresse complète et précise. Oui? Gudrun? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es pas venue travailler? Parce que je suis malade. D'ailleurs, ce matin, j'ai prévenu le service du personnel. Je n'ai pas envie qu'on vienne me rendre visite. C'est moi. Je ne veux pas que vous m'appeliez. On voulait juste savoir comment tu allais. Plutôt mal. La police a déjà retrouvé la voiture. Comment tu le sais? Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller là-bas. Tu es folle? Tu ne te rappelles pas qu'elle a vu ton visage? Si, mais elle ne l'a vu que 2 secondes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la voiture? Ils l'ont embarquée. Écoutez, je ne veux plus jamais vous entendre. Ne t'inquiète pas, on t'appelle toujours d'une cabine. Je veux que vous arrêtiez! Alors, qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. Que veux-tu que je leur dise? Ils t'ont posé des questions, non? Je ne m'en souviens plus. Tu les as aidés à faire le portrait robot de la femme que tu as aperçue par le Judas? Oui. Et ça donne quoi? Je ne sais pas si on la reconnaîtra. Ça veut dire qu'ils vont la rechercher? Oui. Et maintenant, arrête. Il y a tous les ans plusieurs centaines de viols que les femmes passent sous silence. Autrement dit, on a un problème. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on devrait peut-être parler à la sœur, la Monica Chetty. Pour commencer, on trie les empreintes de la famille à qui appartient la voiture. Ensuite, on étudiera les autres empreintes pour voir si elles sont dans notre fichier. Et ce sera long? Oui, ce sera long. Mais ça nous apportera quoi, puisque ces filles n'étaient pas des professionnelles? Vous avez une meilleure piste? Et la maison? On saura vite si elles ont touché à quelque chose. Je viens de lire le rapport d'autopsie. Alors, il y a une balle de calibre 5 mm 56 qui est restée dans le poumon. Une de 9 mm a touché le cœur, et la troisième, calibre 7,65, l'a touchée un peu à côté du cœur. Oui, mais comme on ne va pas rester là à ne rien faire, il faut bien commencer quelque part. On a retrouvé les armes? Non, du moins pas pour l'instant. On ne connaît que leur calibre. Bonjour, messieurs. Vous vouliez prendre ma déposition? Oui, venez avec moi à côté. Dites-moi, vous vous êtes souvenu de quelque chose? Non. De rien qui puisse vous aider. S'il vous plaît. Werner, tu veux bien nous trouver des photos d'Arno Brandes? Pourquoi faire?
Ce soir, on va aller faire un tour dans les quartiers un peu chauds et on va demander à toutes ces dames s'ils faisaient partie de leurs clients. Je vous souhaite bien du plaisir. Merci. Demain, le portrait robot sera dans les journaux. Tu as une photo ? Oui, j'ai pu en trouver une. Oui ? Léo, je sais où tu peux la trouver. Vas-y, je t'écoute. À l'hôpital Schwabinger, en chirurgie vasculaire. Comment sais-tu à qui je vais rendre visite ? J'ai fini par apprendre quelques petites choses avec toi. Ça y est, me voilà. Vous devez toujours tout vouloir tout de suite, vous. Non, pas toujours et pas tout, docteur. Comment va votre sœur ? Comment voulez-vous qu'elle aille ? D'abord sa fille qui est tuée sur le chemin de l'école dans un accident et maintenant son mari. Je n'ai pas eu l'impression que c'est la mort de son mari qui l'a bouleversée. C'est plus les circonstances dans lesquelles ça s'est passé qui l'ont marquée. Je me trompe, corrigez-moi si j'ai tort. Il haïssait les femmes. Il devait se haïr lui-même, d'ailleurs. Et votre sœur ? Ma sœur, je crois qu'il ne l'avait épousée que parce qu'elle avait hérité une petite fortune de son parrain. Et vous ? Moi ? Vous voulez vraiment savoir ? Oui. Moi ? C'est bien simple, il m'a violée il y a 5 ans. Pourquoi est-ce que vous me regardez ? Vous n'êtes pas allé porter plainte ? Mais comment j'aurais pu ? Raconter une chose aussi horrible à des policiers qui n'en auraient rien eu à faire ? J'aurais eu l'impression d'être de nouveau violée. Votre sœur est au courant ? Ma sœur était déjà assez malheureuse comme ça. Arrêtez de me regarder avec cet air. Mais allez-y, demandez-moi, posez-moi toutes vos questions. Vous n'êtes tout de même pas une de ces femmes qui ont tué Arnaud Brandes, n'est-ce pas ? Non. Il faut que j'y aille. Excusez-moi. Oui ? Vous le connaissez ? Oui, je le vois souvent passer dans sa voiture. C'est rare qu'il s'arrête. Et sauf pour vous ? Oui, bien sûr. Je lui ai dit le prix pour la totale. Mais il voulait parler, c'est tout. Et parler de quoi ? De quoi parlent les hommes quand ils viennent voir une femme comme moi ? J'en ai aucune idée, désolé. Et ils parlent de leur vie, de leurs femmes, de leurs enfants, des trucs comme ça. Il y avait sa photo dans les journaux. C'est pas lui qui s'est fait tuer ? Si, c'est lui. Il m'a dit t'as eu une sacrée chance et il est parti. Merci. De rien.
Meurtre brutal. Qui connaît cette femme? Ce ne serait pas toi. Bonjour. Bonjour. Alors, quoi de neuf? S'il y avait eu du nouveau, on t'aurait appelé tout de suite. Bien sûr. Il n'y a aucune réaction au portrait robot? Non, aucune. Les appels sont centralisés dans le bureau d'à côté. On a mis deux hommes pour y répondre. Schackstrasse 2481. Oui, merci beaucoup. Ah, j'ai hâte de savoir. Bonjour. Tu vas faire durer le suspense longtemps? Quand on a de la patience, on a des résultats. Qui est-ce? C'est une des femmes qui a tué Arno Brandes. Du moins, on a trouvé ses empreintes digitales dans la voiture. Et comme elle a déjà eu des démêlés avec la justice, ça m'a simplifié grandement le travail. Elle a été prostituée. Maintenant, elle travaille comme gérante d'une boîte de nuit. Elle a plusieurs fois été condamnée pour vol et échec sans provision. Christine Goulden, 104 Lindenstrasse. Vous y allez immédiatement? Oui, on va même y courir. Vous êtes content, non? Oui, et on te félicitera plus tard. Toi, quand tu t'acharnes sur un truc... J'ai été à bonne école avec toi. Merci pour les fleurs. Si tu as raison, on devrait être enfin sur une bonne piste. Il est un peu tôt. On est de la police. Vous pouvez venir au commissariat, on a des questions à vous poser. Je vais m'habiller. Elle n'a même pas demandé sur quoi. Ça doit vouloir dire qu'elle n'a pas la conscience tranquille. Oui? Non, Léon, elle est en train de s'habiller. Quoi? Nous? On est où? Sur le palier, devant chez elle. Oui. Oui, on se dépêche, oui. Il a hâte de la voir. Vous voulez m'interroger sur quoi? Je peux savoir? Oui, c'est au sujet de la mort d'un homme, Arno Brandes. Ce nom ne vous est pas inconnu? Si, complètement. Vous lisez jamais les journaux? Hein, c'est celui-là? Eh oui. Trois femmes masquées sont allées chez lui pour le tuer, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Mais vous croyez que je suis une des meurtrières ou quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Christine? Répétez, s'il vous plaît. Sabine Birchneider. Tu es d'un calme olympien? On va bientôt en savoir plus. Au rythme où vont les appels, le standard va sauter. On a 10 femmes qui correspondent au portrait robot. Eh ben, c'est déjà ça. Tu veux que je commence à vérifier? Ben oui, vas-y.
Très bien, à plus tard. Voici Madame Goulden. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de répondre si vous estimez que ça peut vous porter tort. Rien ne peut me porter tort. Voulez-vous un avocat? Non. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Cause d'un certain Arnaud Brandes. À cause du meurtre de ce monsieur. À l'époque où vous avez travaillé en tant que prostituée, je vois dans votre dossier que vous êtes entrée plusieurs fois en conflit avec la loi. Vous l'avez fort joliment dit. Avez-vous déjà été violée? J'ai l'air de quelqu'un qu'on viole. Ah, votre réponse est plutôt inhabituelle. J'ai eu une médaille au championnat junior de judo. Personne ne peut me violer. Madame Goulden, les trois femmes qui se sont rendues chez Arnaud Brandes sont allées là-bas en voiture. C'était une voiture noire dont on a le numéro. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Et dans cette voiture noire, figurez-vous qu'on a trouvé vos empreintes. Comment l'expliquez-vous? J'ai envie de m'acheter une voiture depuis quelque temps, alors j'essaie des voitures de particuliers et de concessionnaires. Vous devez vous douter qu'on va s'empresser de vérifier. Allez-y. Vous ne pouvez pas me garder. Mais je vais quand même appeler un avocat. Oui, bien sûr. Oui. Mais tu es folle ou quoi? J'ai tiré, moi aussi. Non, ne l'écoutez pas, elle ment. Nous avons tiré toutes les deux. Donnez-moi votre nom. Birgit Schneider. Mais pourquoi tu as fait ça? Je t'aime. Vous êtes toutes les deux en état d'arrestation pour homicide volontaire sur la personne d'Arnaud Brandes. Madame Goulden, on va vous conduire à l'anthropométrie. Venez. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je m'appelle Léo Kress. Alors, vous êtes satisfait? Non. Vous vivez chez Madame Goulden? Je vis avec Madame Goulden. Et que faites-vous comme métier? Je suis secrétaire. Mais j'ai arrêté, je ne travaille plus depuis 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 mois, un homme m'a agressé et violé. Ça s'est passé le soir, dans un parc. Arnaud Brandes. Ce soir-là, c'est comme si j'étais morte. Vous n'avez pas porté plainte? Quand on vous tue, vous croyez qu'on va porter plainte? Je vais enregistrer vos aveux dans un instant. Mais avant, donnez-moi le nom de la troisième femme, s'il vous plaît. Non. Contentez-vous de voir deux femmes payer pour la mort d'une ordure, c'est amplement suffisant. Regardez, cette femme était-elle avec vous? On finira par le savoir. Je prierai pour cette femme. On dirait que ça vous amuse de voir une femme se faire humilier. Non. S'il vous plaît, veuillez vous taire. Oui. Service anthropométrique, pourquoi? J'aurais besoin de vous. Il faut qu'on vérifie tout ce qu'on nous a dit à propos du portrait robot. Faites-vous donner la liste, je m'occupe des 5 premières. On ne peut pas le faire tout de suite. C'est pas grave, quand vous pourrez. Oui? Tu ne comptes plus venir travailler? Le médecin m'a encore arrêté. Tu as vu le portrait robot dans le journal? Non, quel portrait? Celui que je t'ai faxé, on dirait que c'est toi.
On est plein à ressembler à ça. On s'inquiète pour toi. Qui ça on ? Les collègues et moi. Il faut que je raccroche. Madame Basco, police. Je sais que vous êtes là, je vous ai entendu téléphoner. Ouvrez. Que désirez-vous? Je m'appelle Redman, je suis de la brigade criminelle. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Vous voulez vous asseoir? Non, merci, ce n'est pas nécessaire. Je peux savoir ce que vous voulez. Vous ressemblez beaucoup au portrait robot qui est dans ce journal. Non, je ne trouve pas. Il peut faire penser à plein de filles. Maintenant, vous savez ce qui m'a amené. Vous êtes de la brigade criminelle. Je vous prie de vous présenter demain à 10h au commissariat, au bureau de Léo Kress. Et pour quoi faire, au juste? Vous ressemblez vraiment beaucoup au portrait. Vous trouvez? Madame Basco, excusez-moi, vous avez été violée? Ah, non. Pourquoi une telle question? J'ai l'impression que vous savez parfaitement pourquoi. On doit prendre vos empreintes. Pourquoi? Vous viendrez ou non? Oui. Bien. Alors, à demain matin, 10h au commissariat. Je vous en prie, asseyez-vous. Et mon ami est où? Là où vous étiez à l'instant, au service anthropométrique. Je dois vous dire qu'on a les aveux de Mademoiselle Schneider. Madame Goulden, vous n'avez pas été violée. Pourquoi avez-vous aussi participé à cette... disons le mot, à cette exécution? C'est bien le terme qui convient, non? Je n'ai pas participé. L'initiative est venue de moi. Je me sens responsable de Birgit. C'est mon grand amour. J'aurais dû la protéger, mais... je n'ai pas su le faire. Vous ne croyez pas qu'il aurait mieux valu laisser la justice se charger de punir Brandes? Non. Vous devez savoir encore mieux que moi le genre de peine que peut encourir un violeur. Mais vous croyez que ce que vous avez fait, c'est la solution? En tout cas, c'est une solution, tant que la justice ne reconnaîtra pas qu'il n'y a presque aucune différence entre un viol et un meurtre. Et les armes? Où sont les armes avec lesquelles vous avez tiré? On les a jetés dans l'isard quand on s'est enfui. Toutes les trois? Madame Goulden, vous étiez trois? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Voici plus ou moins à quoi ressemble la troisième femme. Merci beaucoup, c'est un renseignement précieux. Au revoir. Les appels commencent à diminuer. Je pourrais avoir la liste qu'a Werner Riedman? Tenez, voici ceux qu'on a pris au sérieux. Merci.
Ça va aller. Oh, non, non, je ne peux pas entrer là. Je ne peux pas. Mais rien ne t'y force. Allez, viens. On va aller dans la cuisine. Viens. Je vais vendre la maison. Bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire? Vivre chez toi. Attends une seconde. Monica Chetti? Qui vous a dit qu'on était ici? Non, 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 on va encore rester quelques instants. Ouais. Ouais. La brigade criminelle. Ils ont encore besoin de te parler. Comment ils ont su qu'on était ici? J'en sais rien. C'est sûrement ton voisin qui leur a passé un coup de fil. Viens, assieds-toi et calme-toi. Oui. Je vais chercher tes affaires. Merci. Madame Brandes? Oui. Excusez-nous, mais la porte était ouverte. Comment allez-vous? Je fais aller. Lilo, qu'est-ce qui... Oh, bonjour, messieurs. Madame Chetti. Madame Brandes, comme on était dans le coin, on s'est arrêté pour vous demander quelque chose. Nous sommes désolés, mais on aurait encore besoin de votre aide. Tu as le droit de dire non. Hein. On a 6 femmes qui correspondent au portrait robot. Alors on aimerait que vous veniez les voir demain à midi au commissariat. Elles ne vous verront pas, cela va de soi. Si je refuse, que se passera-t-il? Rien, seulement ça nous amènera à croire que ça ne vous intéresse pas qu'on élucide le meurtre de votre mari. Donc vous vous y allez quand même un peu fort. De quel droit est-ce que vous dites une chose pareille? Surveillez vos paroles. Il s'agit d'un meurtre. Comptez sur moi. Notre photographe doit tout filmer pour que le procureur puisse voir la vidéo. Il est déjà au courant. Bon, alors dites-moi quelque chose sur ces femmes. Eh bien, elles ressemblent plutôt au portrait robot dans l'ensemble. À mon avis, certaines oui, d'autres non. Tu t'attendais à autre chose? Non, non. Ces femmes n'ont jamais été violées, d'après ce qu'elles ont dit. Il y a 2 femmes au foyer, une étudiante, des secrétaires et une ouvrière. Elles ont toutes accepté de participer à l'identification. Il ne nous reste plus qu'à partir du principe que l'une d'elles est celle que nous recherchons. On est entièrement d'accord. On va prendre leurs empreintes digitales. On ne peut pas faire autrement. On les comparera avec celles qu'on a jusqu'à maintenant. En fait, on vient de me dire que demain après-midi, Mesdames Goulden et Schneider comparaîtront devant le juge d'instruction. Alors peut-être qu'on sera au complet. Pourquoi? On aura peut-être trouvé celles qu'on cherche. Oui, j'espère. Bonjour. Veuillez attendre ici. Madame Basco, je vous en prie. Ça vous angoisse, cette situation? Oui. C'est pour ça que je suis venue avec elle. J'ai expliqué à Madame Chetti qu'elle ne pouvait pas entrer avec sa sœur. Effectivement, c'est impossible. Votre sœur aura besoin de toute sa concentration. Et moi, je fais quoi en attendant? Je vais vous conduire à la cafétéria. Oui. Tu verras, tout se passera bien. Venez, ça va se passer dans une autre pièce. Je
Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les femmes qui ont été retenues vont venir se placer derrière le miroir. Elles seront 6. Nous, on restera où on est actuellement. Comme c'est une glace sans teint, nous pourrons les voir, mais elles ne nous verront pas. Je peux poser une question? Je vous écoute. Si je refusais de prendre part à l'identification, il se passerait quoi? Je n'y penserais même pas si j'étais à votre place. Ça vous rendrait tout de suite suspecte. Suspecte d'être une des 3 femmes qui ont tué cet homme, d'après vous? Ce n'est pas d'après nous. Elles l'ont bel et bien tué, chacune d'une balle. Vous en avez déjà arrêté 2? Oui, seulement elles ont refusé catégoriquement de nous donner le nom de la 3e. Vous estimez sans doute que c'est déjà bien si 2 femmes sont punies pour ce meurtre? Vous trouvez normal qu'on laisse n'importe qui jouer le rôle du juge et du bourreau? Dites-nous comment vous vous appelez. Gudrun Maria Basco. Je suis née le 26 juin 72. Comment allez-vous organiser votre vie maintenant? Je n'y ai pas vraiment réfléchi. D'abord, je dois me débarrasser de cette épreuve. On peut commencer? Eh bien, allons-y. Oh, je vous présente M. Meyerhofer. Il va filmer ce qui va se passer. Sure. On va rester en arrière-plan pour l'instant. Tu as peut-être quelque chose à me dire? Non, rien de particulier. Vous allez me dire ce que je dois faire? Oui. On va s'avancer un peu. Maintenant, ne parlez plus, je vous prie. On peut y aller. Je dois dire quelque chose pour chacune? Vous faites comme vous le sentez. Qu'il y a? Je ne la reconnais pas. Qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de ces jeunes femmes? De quel droit je peux décider de leur vie? Madame Brandes, pourriez-vous vous concentrer? Non. Quoi non? Je ne reconnais pas celle que j'ai vue par le Judas. Elle ne ressemble à aucune d'entre elles. Merci, c'est terminé. 2 femmes sont déjà passées aux aveux. Ça devrait vous suffire? Non, je veux les 3. Il faut que je te dise, les empreintes digitales de ces 6 femmes ne correspondent pas à celles trouvées dans la voiture. Vous voyez ?